work it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger. Work it, nah, 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 that, that don't kill me. Can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Alexis, j'espère que vous allez bien. Ça va très très bien. Et nous nous retrouvons, les amis, pour ma première vidéo sur Destiny. Attendez. Hop. C'est bon. Donc, pour ceux qui verront donc ce live sur YouTube, donc ce sera une rediffusion. Alors, voilà. Pas grave. Alors oui, donc excusez-moi. Donc dans Destiny, voilà, c'est comme ceci que vous avez sur Destiny. Vous avez donc soit, c'est-à-dire soit la classe Titan. Soit vous avez donc la classe Titan. Alors vous êtes une machine de guerre blindée. Prenez le contrôle du champ de bataille grâce à votre force et à votre sens stratégique. Et donc il a Astéan, fracassez le sol et liquéfiez vos ennemis dans un bain de lumière pyroélectrique. Un défenseur utilise la lumière abyssale pour façonner un bouclier qui protège vos alliés et vous-même. Donc en fait, la classe Titan, c'est en fait la classe bourrin si vous préférez. Donc si vous êtes quelqu'un de bourrin, voilà, qui fonce dans le tas et qui protège ses alliés, c'est la classe Titan qui vous... Ensuite, nous avons la classe chasseur. Alors la classe chasseur, c'est une classe un peu spéciale. Vous connaissez la frontière comme votre poche, traquez et tuez vos ennemis avec une précision sans égale. Le héros, donc, il a un pistolet ardent et ionisé vos ennemis à l'aide de la lumière solaire. Et à partir du level 15, il a l'épéiste. Chargez votre lame en lumière, sirop électrique et la foudre pour griller vos ennemis. Et pour finir, le troisième, l'arcaniste. L'univers se plie à votre volonté, manipulez ses énergies pour annihiler vos ennemis. Il a la voie abyssale, projeter des charges de lumière abyssale et désintégrer les ennemis puis dans l'explosion. Et à partir du niveau 15, hein, comme les trois, il est aussi une attaque spéciale, donc c'est champ solaire. Alors, emplissez-vous de lumière solaire pour renforcer l'efficacité de toutes vos capacités. Donc ça, c'est le mage, hein, c'est le mage best-of de Destiny. Voilà, et donc la classe chasseur, c'est... on va dire le sniper en fait. Donc moi pour le moment j'ai déjà joué avec deux classes sur les level 24, donc la classe arcaniste et la classe titan. Je préfère la classe arcaniste pour le moment, mais on va choisir donc la classe titan que j'ai pas encore utilisé. Parti. Alors la race, est-il un homme, une femme? Non, un homme quand même. On est éveillé. Fio des roules machin. Ouh. Les yeux qui brillent et tout comme ça. Ouais. Visage. Visage, moi. Allez. Visage, alors. Beau. Ouais. Plutôt les cheveux, parce que les cheveux, c'est vraiment moche, je trouve, comme ça. Ah, ouais, il est chaud. Oh, il tient plutôt pète. Je l'avais déjà choisi. On va prendre plus en fait
un exo, les gens. Ah, peur comme ça. Quoique non, pas un exo, parce qu'en fait exo c'est les robots en fait, je crois. Ouais, c'est ça. Et là j'aime pas trop en fait. Je préfère prendre. On va prendre plutôt un déveillé. Et voilà, pas mieux. Non, en visage, je les trouve un peu plus classe. Ouais, classe. Les cheveux les amis. Lolo. Je sais pas trop. On va le mettre comme ça. Ouais, c'est peur. Ah, ils sont horribles. Regardez comme c'est horrible. Les gens, c'est horrible comme ça. Il n'y a pas un beige, non? Il fait peur comme ça, on dirait un fantôme. Ouh, j'ai mon bleu. Trop moche. Couleur des yeux. Ouais, un bleu ciel. Signe distinctif. Oh, finesse. Ah, oh, le tigre est en lui. On est des fous, allez, on le prend comme ça. Voilà, on est parti. On monte un peu. Les cosmonautes. Première arme sur la lune. Premier pas sur Mars. Et désolé. Oh, sympa. Ouh. Chaud. On peut se casser la gueule. Destiny. Le voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions trois fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprîmes que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi, les ténèbres, qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent, et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi, un nouveau début.
Bon. Ça charge. Le Cosmodrome. La tablette est cool. J'ai mal envoyé. Ça chauffe plus. Dans Destiny, moi franchement j'aime bien le graphisme. C'est pas vous, qu'est-ce que vous en pensez encore? Pas bon. Coltard là. Ça a marché. Vous êtes en vie. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher, je suis un spectre. En fait, je suis votre spectre. Et vous, disons simplement que vous sortez d'une longue mort. On dirait que le monde a beaucoup changé depuis votre époque. C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois vous ramener à vous. Les gens. Allons-y. Tout va bien, je suis toujours avec vous. Nous devons partir, vite. Allons-y, partons. Nous sommes en territoire déchu. Rester à découvert est beaucoup trop dangereux. Entrons dans le mur. Des corbeaux. C'est trop dans le mur. Mais dans le... Ah oui, c'est dans le... Maya, ah, je suis tombé. Remontons, vite. Remontons. Ils sont juste au-dessus de nous. J'en ai pas allé par là. Oula! Ah! Mais bon, on se croit bien. Ah, en fait, c'est... Ah non, c'est une hallucination. Les déchus aiment l'obscurité. Mais nous, il nous faut de la lumière. Allez. Je vais nous faire un peu de lumière. Ces systèmes militaires. Oula, je vois rien. Ils doivent battre contre des siècles de dégradation. Je vois rien. Ah, il y a une arme. Prenez là. Elle est où l'arme? Elle est là. Voilà. Parti. J'espère que vous savez vous en servir. Attendez, pour tirer déjà, c'est... Votre radar captera toute forme de mouvement. Oula. Et on peut pas, il n'y a pas de sensibilité. Ils m'ont fait peur. Oh putain. Viens là toi, viens là. Je peux. Ah,
grenade, merde, c'est pas une grenade. Dégage-toi. Hop là. Ah, y'a un blanc. Attendez. Il y en a d'autres plus loin. Voilà. Par là où nous devons passer. Continuez comme ça déjà. Continuez comme ça. Le blanc. On cache. Voyons ce qu'il y a dedans. Quel putain, ouais, c'est avec ça qu'ils ont. Mais non, je... Des mines laser. Ne les touchez surtout pas. Ah. Ils sont pas beaux. On vous parle. Ici. Nous devons continuer d'avancer. J'espère qu'il reste quelque chose là-bas. Et j'ai plus 13 balles. Il n'y a pas de munitions qui traînent. Des merdes. Alors. Ouh, c'est joli. Essayons de traverser. Yeah. Oh. Non, en fait, sérieux, la division. Oh, une fois, je connais pas, moi je pensais comme ça. C'est vraiment des buts. Putain, on peut pas passer, mais c'est où? En fait, je retournais tout comme ça. En fait, je me suis aperçu que c'était juste à droite. Mais pour ceux qui ne trouveront pas, c'est là en fait. C'est à droite. C'était un cosmodrome. Des vaisseaux partaient d'ici pour l'espace. On devrait pouvoir y trouver un moyen de filer d'ici. Oh non. Quelque chose se téléporte. Des vaisseaux déchus. S'ils prennent la surface, nous devons à tout prix passer. Oulala, ça prend de partout. C'est un niveau de mec, on est des petits. On va des gros animaux. Non mais pas que. Dégage. La scope, mais a raté. Ah, j'ai récupéré des mines. Y'a là, toi, y'a là. Merde, faudrait ça. Y'a là. Peut-être. Hop. Bon. Saleté de sniper. Alors. Franchement, des filles, les amis, c'est sympa. C'est un jeu que franchement personnellement j'aime bien. Vous me direz en commentaire si vous aimez autant que moi. Mais moi franchement j'adore la jeu faire des lives de jeu. Détecte les traces d'un vieux vaisseau. Voilà notre porte de sortie. Yes.
rester ici. Voilà, c'est l'effet d'invisibilité, ouais. Ouais, je vous conseille de mettre TP, c'est mieux que... C'est mieux que pistolet horaire. Un vaisseau! Vous devez les éliminer! Oh oh. Voyons voir s'il peut nous sortir d'ici. Bon, réponds à mon pote. Alors... Ça fait un moment qu'il est là. Il n'a pas servi depuis des siècles, au moins. Ouais, je réponds ici. On a de la chance que les déchus ne l'aient pas démantelé. Il peut voler? Espérons-le. Voyons voir. On a débloqué le vaisseau. Je vais inviter ce qui cherche à redessiner, c'est juste les temps de chargement, ils peuvent être un petit peu long parfois. Bienvenue dans la dernière cité sur Terre. Le seul endroit que le voyageur protège encore. Il aura fallu des siècles pour la construire. À présent, c'est à peine si elle tient encore.
Et c'est dans cette tour que vivent les gardiens. C'est cher ce temps de chargement. Voilà. Nous sommes enfin là. Très bien, très bien. Ouais, c'est bien. Donc oui les gens, donc pour vous faire une escouade, très simple, vous allez ici. Là vous pouvez soit mettre mode public, soit invite seulement, soit sur invite, ou soit en privé. Après vous invitez un ami, vous faites comme j'ai fait dessus, vous faites inviter dans l'escouade, vous pouvez rejoindre son escouade. Je regarde juste. Une team de moi, j'ai envie de l'inviter depuis tout à l'heure. Hop là. Hop. Voilà. Un colis pour Banshee. Ça rejoint. Tic tac, tic tac. Ok, je rejoins. Signé ici. Ok, ok, ok. What? Choqué, je suis choqué. Quoi ce truc de malade, vous avez vu? Vous avez vu? Oh putain! À demain! Je suis choqué, mon les gens. Désolé, je suis choqué. Colis pour l'astre mort. C'est sur une arme légendaire normale. La sentinelle de la nouvelle monarchie. Pas se poser de questions. Oh, c'est une magie. Avancez donc! Que rapportez-vous ? Oh putain, abusé les amis. Essayez ça. Normal, bon courage. Et voilà. Non, pas que c'était possible. Comment allez-vous, chasseur ? Pur hasard, pur hasard. Regardez-moi ça les gens. Oh la vache. Oh la vache. Bon bref, force pour l'utiliser qu'à partir du niveau. J'ai déjà mon première arme légendaire, c'est arme principale. Nous avons un chasseur et l'équipe. Une arme légendaire dès le début. J'ai vu passer les meilleurs. Alors, pour l'armurier. Bon. La navette atteindra le quartier 340. Deux bouts de bonheur, dites donc. Personnellement, les amis, moi j'aime bien le. Ouais, si, d'automatique. N'hésitez pas, n'attendez pas autant la prochaine fois. Bah voilà. Bah. Pardon, je suis là.
Reste appuyé sur le carré. Voilà. Et donc nous allons. Ah non, fallait voir la raison. Voilà. Franchement, arme légendaire, pur hasard, les gens ne savaient même pas sérieusement que c'était possible. Le Kestrel, vous êtes ici de bonne heure. Hop. Si vous saviez d'où tout ça. Hop, donc ça c'est fait. Attends, on va retourner. C'est une orbite. C'est là qu'il brûle. Ça va faire longtemps que j'ai pas joué avec ce jeu. Je vais dire à mon pote qu'il s'amusait. Bon, on va faire ça. Alors, c'est la destination. Il ne reste presque plus rien ici. Les déchupis, tout ce qu'ils trouvent. Nous avons eu la chance de trouver ce vaisseau. Un gardien ne peut pas protéger la cité sans ça. Mais il nous faudrait une boîte de distorsion pour aller combattre. Et pour en trouver une, je ne vois que le cosmodrome. Nous avons survécu une fois aux déchus. Nous leur survivrons encore. On est parti pour... Le vaisseau d'un gardien a été abattu par ici. Nous pourrions en récupérer des pièces, si les déchets ne l'ont pas déjà fait. Allez, on est parti. Pas dégoûté. On peut pas trop utiliser. Ah, c'est pas grave. Récupérer leur dernière transmission. Ils ont réussi à restaurer un relais d'information dans les tunnels en dessous. Allons voir ça.
carte complète de la zone. Ce qu'il nous faut, c'est la boîte de distorsion. Comme ça, nous pourrons voyager vers n'importe quelle planète. La plupart, en tout cas. Notre seul espoir est là où nous avions dégoté notre vaisseau. Il faut y retourner. Nous y voilà. Je cherche la boîte de distorsion. Ah, une mauvaise nouvelle. Elle est entre les mains des déchus. Vous avez tué un archonte. Nous avons entravé les déchus et récupéré une boîte de distorsion. Nous pouvons aller nous battre sur la Lune. Il faut que je vous présente au guide.
Et les amis, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Il faut la vous abonner. Et on se retrouve juste après, mais je vais arrêter ce live là, parce qu'apparemment, n'attendez pas. Et je vais déjà voir si c'est bien. Et puis si ça marche et tout, je vais la publier sur YouTube. Voilà, merci ceux qui ont regardé sur le live. Merci à toi, lui qui m'a. Et à plus pour la prochaine vidéo. Et tout le monde, Alexis. A plus.